Merci beaucoup pour votre invitation, merci à la HES pour l'organisation de cette soirée. Donc, je vais vous parler de Green to Mobility. En fait, c'est une collaboration avec Aaron Wrubel qui est assis là-bas. On a une très bonne séparation des tâches. Il fait tout le travail, moi je parle et je bois l'apéro. Donc, si vous avez des questions techniques, c'est pour lui. Donc, comme l'a dit Marc-André Rondeau est à Sion, notre démonstrateur est à Martigny. Et quand je voyage à travers le monde, j'aime bien monter cette photo. J'en ai d'autres, mais vu que vous êtes tous valaisans, je les montrerai. Quel est le grand enjeu à l'heure actuelle? Le grand enjeu à l'heure actuelle, c'est que les voitures électriques arrivent très fort. Après le scandale du diesel, même Volkswagen s'y met. Je veux dire, le nombre de voitures électriques est en train d'exploser. Et pour la votation du 27 novembre, je vous ai remarqué, mais personne ne parle de la voiture électrique. Donc on parle de l'arrêt du nucléaire, on parle des énergies renouvelables, mais qu'on indice de la recharge des voitures électriques. Et même la commune de Lausanne achète des camions poubelles électriques. Vous n'avez qu'à voir. Donc aux États-Unis à l'heure actuelle, les Américains dépensent 1 milliard par année pour leur facture d'électricité, ils dépensent 1,4 milliard par année pour leur facture d'essence pour les voitures. Et la grosse question, c'est si les voitures sont électriques, il y a un marché ici de 1 milliard. Et la grosse question, c'est qui va prendre cette part de marché. Nos amis de l'UBS ont fait des prédictions, comme quoi si on avait des voitures électriques, par exemple, 20% de voitures électriques en 2020, ça fait une augmentation de la consommation d'électricité de 3,1%. Tiens, c'est bizarre parce qu'il manque une ligne ici avec l'écran. Donc sur la ligne qui est marquée, c'est comme dans votre contrat d'assurance, il faut dire toujours ce qui est ici, UBS a pris comme puissance de voiture 15 kWh au 100 km. Alors quand vous savez que la petite PM, elle est déjà à 17, que la Tesla est à 24 et que la mienne, qui est un 4x4 Mitsubishi, est à 40, vous pouvez penser que l'estimation de ces consommations d'électricité sont vraiment sous-estimées. Ce qui veut dire que grosso modo, en 2020, il y aura déjà 5% d'électricité en plus. Maintenant, si l'on en croit l'UBS, eux voient déjà, donc théoriquement, la consommation électrique baisse par nombre d'habitants, mais il est clair que si les voitures deviennent électriques, elles vont augmenter. Et je pense que ce tableau est faux, je pense qu'elles vont augmenter jusque-là. Et donc, il y a un vrai enjeu, c'est si on passe tous une mobilité électrique, d'où viendra cette électricité? D'où la votation du 27 novembre, d'où, en fait, moi je vais voter oui, parce que je suis pour le nucléaire, je viens du nucléaire, et je votais oui pour faire bouger les choses. Donc c'était ma campagne électorale. Non, on est dans un pays où rien ne bouge, donc on va faire une révolution à l'américaine. Non, non, mais c'est de la politique. Comme vous le savez, la partie nucléaire du courant suisse, c'est la partie en rouge, et le problème, c'est que si on arrête le nucléaire, on n'a pas de plan B. On a nous a déjà fait le coup le 9 février 2014, on a voté sans plan B, et maintenant, enfin bref. Le gros problème de la Suisse dans ce qui domine l'électricité, c'est le prix de l'électricité en Allemagne. Et ça, c'est une slide de la semaine du 31 août 2015. Vous voyez que ici, alors que c'était comme une journée très ensoleillée, donc en jaune, c'est la production solaire, en dessous, c'est la production éolienne, le gris, c'est le charbon. Et ici, c'est l'excédent allemand qui est exporté. Vous voyez que le prix de l'électricité est passé de 120 euros au mégawattheure le lundi pour arriver à moins 25 euros le mégawattheure le dimanche qui suit. C'est-à-dire qu'on a des variations de prix qui sont énormes. C'est-à-dire que les Allemands, pour pouvoir gérer leur solaire qui est assez important, leur éolienne qui est assez important, parce que ce dimanche-là, on a quand même 80% d'électricité de nature renouvelable, sont obligés de produire un excédent d'environ 10 gigawatts. Considérez que la Suisse consomme 8 gigawatts, on a un voisin qui a un excédent qui est équivalent à la production et qui bazarde l'électricité pas chère sur le marché. Et donc, ça c'était la fin, tout le mois d'octobre de cette année. On a vu qu'à un moment où il n'y a pas eu de vent et très peu de soleil, l'Allemagne a dû importer. Bien sûr, dès que l'Allemagne importe, les prix montent énormément. Maintenant, si on regarde le prix de l'électricité, c'était ce mois-ci, la semaine dernière, jusqu'à la semaine dernière, le prix est passé quasiment de 3 centimes à 9 centimes. Et avec la vague de froid qu'on a le dimanche, on est déjà passé au-dessus des 10 centimes. Donc il y a quand même un problème, je pense qu'il y a des gens plus compétents que moi dans la salle, mais que moi qui suis un pauvre chimiste, quand je vois ce genre de graphe, je me pose des questions. Un, je ne comprends rien, et deux, je me pose des questions. Donc qu'est-ce que l'on peut dire sur l'arrivée des panneaux solaires? On doit l'arrivée des panneaux solaires aux Chinois, parce que les Chinois avaient un plan dans le plan qui disait qu'il faut produire des panneaux solaires. Conclusion, ils l'ont fait. Conclusion, le prix des panneaux solaires a vraiment baissé.
Beaucoup de producteurs de panneaux solaires ont fait faillite en Europe et aux États-Unis, mais néanmoins, maintenant, le solaire est abordable. Ah oui, je voulais dire, lorsque l'électricité est à plus de 10 centimes, même les gens du nucléaire sont contents. Voilà. Comme vous le savez tous, en Suisse, on a du soleil, il n'y a qu'à regarder par la fenêtre aujourd'hui. Et on a aussi même des éoliennes, mais là, il faut vraiment être suisse quand même. Hein. Elles sont chauffées. On est le seul pays au monde où on chauffe les éoliennes. Il ne faut pas qu'elles gèlent. Enfin, ouais. Hein, qu'elles gèlent. Enfin, on a parlé de Nandrance, mais si Nandrance, c'est beaucoup d'argent. Là, c'est le chimiste qui parle. On a mieux fait de dépenser de l'argent avec des batteries chimiques. Parce que c'est quand même plus de 2 milliards d'investissements avec une turbine qui est cassée, donc qui ne marche pas pour l'instant, qui, lorsqu'elle marchera, aura une efficacité de 80%, et qui vide quand même la bio en 20 heures. Ce qui veut dire que ce n'est pas du stockage saisonnier, c'est du stockage journalier. Et la question, est-ce que les chimistes peuvent faire mieux? La réponse est oui, monsieur. Donc, à l'EPFL Martigny, nous avons ce beau bâtiment qui est dans la station d'épuration que vous avez pu voir tout à l'heure dans le film de Marc-André. Et comme vous le voyez, c'est une ville ensoleillée. On a acheté des panneaux solaires et on les a mis à la cave. Je peux vous dire, ça ne marche pas très bien à la cave, les panneaux solaires, parce qu'on a demandé un permis de construire pour mettre les panneaux là au soleil, mais on nous a dit non, il faut les mettre sur le toit. On a fait remarquer au canton que le toit était rond, c'était notre flux de lumière. Il a fallu quand même plus de 6 mois pour avoir un permis de construire. Et après, on va lui parler d'énergie renouvelable en Suisse. Personne du canton dans la salle, j'espère. Conclusion, les panneaux solaires sont toujours à la cave, et conclusion, on ne produit toujours pas d'énergie solaire. Enfin, ouais. Que faisons-nous à Martigny? À Martigny, donc, nous développons une station service pour les voitures de demain. Donc, on collabore très bien avec Synergie. On est parti sur une batterie Redoxflow de 200 kW, 400 kWh, qui est une batterie vanadium, on va y revenir. Avec la société Evetech, on a développé un chargeur DC-DC pour voitures électriques. On développe également le couplage, enfin quand je dis « on », c'est Aeron. On développe le couplage pour la batterie jusqu'à l'électrolyseur. Et Aeron a aussi développé toute une station-service pour cette Hyundai. La Hyundai est partie aujourd'hui dans le nord de l'Allemagne parce qu'il y avait le rassemblement des voitures à hydrogène en Europe. Ils se sont arrêtés à plusieurs endroits, mais ils sont arrivés avec une heure de retard, mais ils sont arrivés. Je n'ai pas assez d'en venir, mais ils sont déjà partis. Donc lorsqu'on parle de stockage d'électricité, donc le temps dans l'axe des Y, la puissance sur l'axe des X, on a d'abord bien sûr les batteries au lithium, ensuite on a les batteries dites redox, celles que l'on a à Martigny, celles que je vais décrire un tout petit peu, et on a l'hydrogène, et bien sûr on a les aspects plus mécaniques comme l'air comprimé qui marche très bien, ou le pump storage, on en a déjà parlé. Pour parler de batteries redox, Ronke à Dalian en Chine, construit sur l'équivalent de 2 terrains de foot, une batterie de 200 MW quand même, d'accord ? 200 MW, 800 MWh, ok ? Deux stades de foot, okay ? Et un investissement bien moins que 2 milliards. Donc qu'est-ce qu'une batterie au lithium ? Pour ceux qui n'est pas très familier avec la batterie au lithium, c'est simplement deux électrodes, des ions lithium qui se baladent dans l'électrolyte et dans la membrane. En général, sur l'anode, on a du graphite, et de l'autre côté, sur la cathode, on a des métaux, et chaque fabricant a un métal qui est un peu mieux que son concurrent. En général, ce sont des nickel, manganèse, cobalt, et suivant les fabricants, vous avez différentes structures. Mais ce qu'il vaut mieux voir, c'est qu'un batterie au lithium, la puissance, c'est la taille des électrodes, l'énergie, c'est la taille des électrodes, parce qu'on stocke dans l'électrode elle-même. Okay. Donc, à l'EPFL Lausanne, on a cette batterie, chez mon collègue polonais, de 750 kW, 500 kWh. C'est une lithium titanate. Dans la lithium titanate, on remplace le graphite justement par du titanate, ce qui fait que la densité est la moitié moindre qu'une batterie normale telle qu'on a dans l'iPhone. Et vu que le gros problème des batteries lithium telles qu'on a dans nos téléphones portables, c'est le carbone, parce que le carbone s'oxyde, ça fait du CO2. Et bien sûr, une fois qu'il y a du CO2, il n'y a plus de débat. Et puis si vous avez un Samsung, ce n'est pas trop. Ceci pour dire que les batteries au lithium, ce n'est pas uniquement des iPhones. Je veux dire, Advanced Arion construit aux États-Unis une batterie qui fait quand même 100 MW lithium. D'accord ? Et quand on voit la taille de ce bâtiment, c'est à peu près aussi un ou deux terrains de foot. C'est-à-dire que maintenant, on sait mettre des batteries de 100 MW dans un quartier. Donc la batterie de Doxflow, qu'est-ce que c'est ? Ce sont par exemple, pour la nôtre, deux électrodes de carbone. La puissance, c'est la taille des électrodes. Et
Par contre, la différence ici, c'est que l'énergie, c'est la taille des réservoirs. Donc je peux avoir des gros réservoirs pour avoir beaucoup d'énergie et des petites électrodes pour une petite puissance, ou je peux avoir des grandes électrodes pour beaucoup de puissance et des petites énergies si j'ai des petits réservoirs. Donc je peux découpler énergie et réservoir. Et pour une puissance donnée, si je rajoute des réservoirs, j'augmente l'énergie. Okay. Donc dans notre laboratoire, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais on passe beaucoup de temps à développer des solides que l'on met dans le réservoir pour booster l'énergie stockée dans la phase liquide. Et c'est les quelques brevets qu'on a déjà pris cette année. La membrane ici n'a pas besoin d'être très spécifique parce que c'est vanadium à droite, vanadium à gauche. Ici, ce qu'on appelle vanadium 2-3, ici vanadium 4-5. Si du vanadium 2-3 passe ici, ben, il se fait oxyder en 4-5. Si du 4-5 passe là, il se fait réduire en 2-3. Donc, technologie très simple qui date des années 80, donc de nouveau, ce n'est pas très nouveau. Elles existent depuis déjà quelques années. Au Japon, Sumitomo a ici une batterie Redox Flow de 5 MW qui marche très très bien. Et de nouveau, regardez la taille. Un petit terrain de foot, là, un terrain de basket pour 5 MW. Donc celle que l'on a à Martigny, c'est à peu près 27 mètres cubes de vanadium qui sont mis dans ce conteneur du bas. Au-dessus, c'est simplement les batteries, les cellules avec simplement des électrodes en carbone. Les électrolytes sont pompés et l'énergie est stockée. Il fait toujours beau à Martigny. Et avec ça, on développe quelque chose qui va être installé ici à la fin du mois théoriquement. Et on a donc fait un chargeur rapide pour voiture électrique, ça c'est ma voiture, donc ça sera une CHAdeMO, pour pouvoir charger en une demi-heure la voiture électrique. Maintenant, si on parle de l'hydrogène en Valais, c'est quand même de la longue histoire. Les premiers brevets pour l'électrolyse pour fabriquer de l'hydrogène en Valais datent de 1922, donc le Valais était vraiment pionnier dans l'électrolyse de l'eau, proche des Plenskens de la Lanza. Et nous, on est parti donc sur une base historique, donc de la batterie alcaline. Beaucoup de gens préfèrent travailler sur de l'électrolyse dite PEM, polymer electrolyte membrane. Vous avez une membrane qui espace les ions, un carbone de chaque côté avec des nanoparticules. Ces batteries sont très bonnes, mais elles sont plus chères. Celles-ci sont peut-être plus rudimentaires, mais sont beaucoup plus robustes et ont un capex moitié moins. Donc celle que l'on a à Martigny est faite par la société McPhy. C'est 2 fois 25 kW qui nous donne une puissance totale de 50 kW, ce qui fait qu'on fait 1 kg d'hydrogène par heure. On a inauguré le 10 septembre dernier, en présence de Philippe Gillet et de Marc-Henri Favre, donc cette station-service qui a été développée ici. On a deux pistolets, on a un pistolet à 350 bars et un pistolet à 700 bars pour la Hyundai. À 350 bars, ce sera pour la Kangoo. Et la semaine dernière, je ne sais pas si vous l'avez vu dans les journaux, mais COP a ouvert sa première station-service publique, où on électrolyse de l'eau directement sur le barrage pour ne pas payer la taxe. On prend l'hydrogène que l'on emmène par camion à la station service et on fait le plein. Donc les étudiants étaient les premiers ce matin à être les vrais clients de la COP, sauf que lorsqu'ils sont arrivés, c'était tôt le matin et le pistolet était gelé dans la machine. Et ils ont hésité à prendre le briquet pour dégeler le pistolet. Je ne sais pas pourquoi. Ce que fait la COP, c'est intelligent, elle dit si on doit livrer l'hydrogène, on ne va pas faire ça avec un camion à diesel, ça serait pas très écologique. Donc ce qu'ils ont fait, c'est de développer un camion simplement à batterie lithium, 250 kW de puissance, mais il faut bien voir que la batterie a une capacité de 120 kWh, c'est un camion qui marche une demi-heure. Pour pouvoir marcher un peu plus qu'une demi-heure, ils ont une pile à combustible de chez Swiss Hydrogen sur le canton de EPFL Fribourg, qui elle délivre en continu à peu près 100 kW. Ils ont donc des tanks à 350 bars, c'est ici, ils ont donc à peu près 30 kg d'hydrogène embarqué. Donc à Martigny, qu'est-ce que l'on a? On a donc cette batterie redox couplée à un électrolyseur couplé à une station service. Et bientôt, j'espère, Synergie aura une Kangoo également hydrogène. On collabore beaucoup avec Green GT, qui est basée à Lausanne. Donc, ces voitures de course, à couvrir les 24 heures du Mans, elles montent à 300 km/h dans la ligne droite des Naudières. Si vous êtes venu la semaine dernière aux journées portes ouvertes de l'EPFL, elles tournaient sur le campus. Et ceux d'entre vous qui l'avaient entendu, cette voiture fait plus de bruit qu'un hélicoptère, parce qu'elle a 350 bars d'hydrogène dans les réservoirs ici, mais il faut comprimer l'air. Parce que l'air est pauvre en oxygène. Donc pour amener autant d'oxygène qu'il y a d'hydrogène, ils doivent comprimer l'air très fort et les compresseurs font un boucan pas possible.
Tout ça pour dire que les gens de Green GT vont créer une formule de voiture endurance dès l'année prochaine avec 10 voitures à hydrogène. Et ils ont dans leur carton et en discussion avec la Fédération internationale de l'automobile à Lyon une proposition de formule H qui serait des formules 1 hydrogène. Donc, cette voiture fait 18 kg d'hydrogène à l'heure. Donc, une course endurance de 6 heures, c'est 100 kg d'hydrogène. Ouais. Un petit film quand même, il n'y a pas que Marc-André qui a des petits films. Ça arrive très très vite. Et la grande question, c'est comment va-t-on organiser la distribution d'énergie pour ce nouveau parc qui va s'installer? Ça va faire une demande supplémentaire en électricité. Comment va-t-on gérer le temps de charge des voitures? De la station-service que nous développons est une station-service mixte qui permet de faire à la fois de la charge rapide en courant continu à partir d'une grosse batterie et également de produire l'hydrogène directement à la station-service. L'hydrogène qui est produit de l'autre côté du bâtiment est ensuite compressé et stocké dans ces stockages tampons, ici. Et ensuite, lorsqu'on fait le plein, par différence de pression, ces stockages-là vont s'équilibrer avec le réservoir de la voiture. La station-service a été développée entièrement au centre du laboratoire, ce qui nous permet finalement de faire les plans de l'hydrogène tels quels les stations-service conventionnelles, qu'on peut les acheter, mais aussi elle est équipée avec tout un ensemble de capteurs qui nous permet finalement de trouver les bilans énergétiques depuis la production de l'hydrogène jusqu'à la distribution pour la voiture. Nous utilisons donc l'énergie renouvelable présente sur les réseaux. Donc ici en ville de Martigny, nous avons beaucoup de production solaire, hydroélectrique, donc nous pouvons à tout moment stocker cet excès d'électricité en utilisant le système de mégabatterie. En utilisant cette énergie qui est stockée dans le moment de surproduction, nous pouvons alimenter l'électrolyseur Alcanum, qui nous permet finalement de produire l'hydrogène en place, donc sur le site, en utilisant de l'électricité et de l'eau. Quand on produit de l'hydrogène à partir de l'énergie renouvelable en utilisant le processus d'électrolyse, on a vraiment un bilan CO2 zéro. Donc, je veux dire qu'on vient en très haute synergie avec Synergie, parce que lorsque eux mettent toutes leurs pompes en route pour l'épuration des eaux, nous on arrête de charger notre batterie. Donc, on charge notre batterie uniquement lorsque eux nous donnent la permission de le faire, et ça marche très bien. Bon, là je vais passer très vite. Ce qu'on a voulu faire, on ne fait pas que simplement de l'assemblage, je ne vais pas vous embêter avec de la chimie. On a développé un système de production d'hydrogène qui est sans électrolyse. Vu que le temps passe, je crois qu'on va passer très vite. Donc voilà ce qu'on fait, on a le vanadium en milieu acide avec des billes de catalyseur et comme vous pouvez le voir, on produit de l'hydrogène directement. Et quand, en produisant de l'hydrogène, on oxyde notre vanadium 2 au vanadium 3 que l'on peut réoxyder dans la batterie. Ça c'est ma slide érotique. Ce que l'on fait, c'est qu'on va pomper de l'acide dans ces billes et au fur et à mesure que l'acide monte dans les billes, on produit de l'hydrogène et au début, on remplissait les plus de ballons. Voilà à peu près le prototype que l'on a monté. Et donc ici, c'est un système donc, sous plastique, donc on ne peut pas monter sous haute pression, pas plus qu'un bar et demi. On a un booster qui nous permet de comprimer cet hydrogène dans le cylindre métallique ici. Et avec cette technique, on produit 1 kg d'hydrogène par jour parce que c'est un petit système. La production d'hydrogène par cette technique, qui est totalement nouvelle et brevetée par notre laboratoire, dépend bien sûr de l'état de charge de la batterie. On a pu montrer que plus la batterie est chargée, plus elle produit d'hydrogène. Et le grand avantage de ce système, c'est qu'on peut directement produire de l'hydrogène sous pression. Donc les petites bouteilles que je vous ai montrées, ou le ballon qui gonfle, en fait on peut monter jusqu'à 200 bars, c'est-à-dire que le système produit de l'hydrogène directement sous pression, on n'a pas de coût de compression. Maintenant, est-ce qu'on aura des voitures à hydrogène? Je pense que non, je crois que non, c'est plié. On n'aura que des voitures à lithium, parce que chacun d'entre nous, on a une prise à la maison pour charger la voiture. Ce qui veut dire que la voiture à hydrogène va être réservée pour les flottes, c'est-à-dire flotte de taxi, flotte d'ambulance, flotte de police, voiture de livraison, camion. Et la grosse question, c'est que va faire la Chine? La Chine a cette campagne 13-30, donc 30% de voitures électriques en 2030. Et lorsque les Chinois mettent quelque chose au plan, ils le font, et ils le feront. Et je pense que donc les voitures à hydrogène, la Mirai est déjà vendue, on a cherché à acheter une Mirai, ils pensaient les vendre 3000 en 2017, fin 2016, elles sont déjà toutes vendues. Donc maintenant, il y a quasiment un an d'attente pour acheter la Mirai. Les Japonais, avec Honda, promettent une voiture sur le marché. Pour l'instant, il n'y a que les Coréens qui livrent vraiment. Mais je pense qu'en Europe,
on peut oublier l'hydrogène pour la voiture. Je pense que maintenant, toutes les voitures électriques font facilement 300 km d'autonomie. Vous et moi, on va au travail, on va faire des courses, etc. En général, dans l'emploi de la voiture, on n'a pas besoin de plus de 300 km. Conclusion, pour toute l'Europe, on n'aura pas de voiture d'hydrogène. À moins qu'on habite peut-être à Verbier et qu'on veuille monter. Parce que si vous avez une Tesla, il y a quand même 2 tonnes à monter. Donc, sur la neige. Donc voilà les conclusions. Les voitures électriques arrivent très vite. A-t-on une infrastructure de prêt? La réponse, c'est non. Les mégabatteries sont là et je pense que les mégabatteries sont maintenant compétitives, même en prix, avec le pompage-turbinage. L'avantage en plus, c'est qu'on peut les mettre partout dans n'importe quelle ville. Il n'y a pas besoin d'habiter la montagne pour stocker de l'énergie. Ces mégabatteries peuvent être utilisées pour faire des stations-service. Il est clair, je ne l'ai pas montré, mais si vous allez au relais de Martigny, vous avez 6 superchargeurs Tesla, 120 kW chacun. Quand il y a 6 Tesla le vendredi après-midi, elles ne donnent pas 120 kW. C'est-à-dire qu'au lieu de faire votre plein en une demi-heure, café, pipi et tout le reste pendant que vous chargez la voiture, là, le temps de charge peut facilement passer à 1 heure, voire plus. C'est-à-dire que Synergie n'est pas capable de fournir ce dont Tesla a besoin. Bien sûr, les voitures smart arrivent. Donc, là, si on, grâce à la Poste, on est quand même une des leaders en Suisse pour les navettes autonomes. Moi qui ai presque 60 ans, je me réjouis de voir réaliser ces petites voitures. Pouvoir boire et conduire à mon âge, ça serait super. Donc, ce que nous cherchons à faire à Martigny, c'est un peu le pendant de l'énergie polystation. De la même façon qu'on a énergie polystation, nous montons électromobilis Valais-Valis à Martigny. Et l'idée ici, c'est de faire un démonstrateur industriel pour attirer les entreprises pour venir faire de la démonstration de soit de son service, soit des véhicules électriques et autres transformations de biogaz. Je vous remercie pour votre attention. Vous avez, avec ironie, donné les rendements du pompage turbinage de Nantes, mais votre système, il a un rendement pour vous. Donc sur le vanadium, on tourne autour des 30% également. La même chose. Et autre question, pourquoi vous avez besoin de passer par de l'électricité pour charger des voitures? Pourquoi pas mettre directement des liquides redox dans les voitures? Comme ça, on chargerait beaucoup plus vite. Donc il y a une société suisse qui s'appelle NanoFlowCell. Je ne sais pas si vous avez vu sur le web. Ils disent pas ce qu'ils mettent dans leur batterie redox, ils disent qu'il y a 250 litres d'un sel organique et d'un sel minéral. Et bien sûr, après, c'est jetable. Donc ce n'est pas du recyclable. Mais si on avait un fuel qu'on peut vider dans la voiture, qu'on met après en recharge dans une station, ça serait très bien. Les densités d'énergie, pour l'instant, sont trop faibles. Si je mettais du vanadium dans ma voiture, il faudrait que j'ai une remorque avec 2 tonnes de liquide derrière, hein, au lieu d'un tank de vanadium. Quand je suis à l'hydrogène, j'ai 5 kg d'hydrogène pour faire 5 km. 500 km, pardon. 5 kg d'hydrogène pour faire 500 km. Mais c'est de l'hydrogène, vous n'avez pas une combustion d'hydrogène. Non, vous retournez en électricité. C'est une pile à combustible, donc la pile à combustible a un mauvais rendement, 50%. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce que vous perdez dans la pile à combustible, vous gagnez en chaleur. Et ces derniers jours, je suis content d'avoir une voiture à pile à combustible parce que le chauffeur est chaud. Parce que dans ma voiture électrique, si je mets le chauffage, je vois ma batterie que... Et en plus, si je mets dans ma voiture électrique, si je ne chauffe pas la batterie en partant le matin quand ça gèle, le rendement est catastrophique. J'ai eu du chat, donc je peux comparer. Et pourquoi pas développer le véhicule avec la batterie interchangeable? Donc Renault avait essayé de faire ça, je ne sais pas si vous vous souvenez dans le temps, Renault avait le système où on arrivait avec sa voiture, on se mettait au-dessus d'une fosse, la batterie arrivait, se chargeait, et lorsqu'on discute avec les gens de Renault, ils disent que le business model n'est pas là. Pourquoi? Déjà, Renault, si vous avez une Zoé, n'est pas propriétaire de la batterie, hein, vous la louez. Voilà. Donc avec la Zoé, vous pouvez faire charge-décharge à la maison, mais si vous pensez que votre batterie n'est plus bonne, vous allez chez Renault, ils vont vous en mettre une autre. Non, parce que dans l'idée, ce serait d'avoir des parcs de chargeurs, des parcs de batteries. Non, je suis entièrement d'accord, c'est l'enjeu, c'est un des enjeux. Dans la Mitsubishi que j'ai acheté, la batterie garantit 5 ans. Donc j'ai demandé au garage, vous pensez que la batterie va vraiment tenir 5 ans? Et la réponse est, non bien sûr, mais on vous donnera une note d'ici là. Comment on fait ça?